Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing un peu spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'été dernier en fait, 2015, on avait fait un unboxing de Vinylpalooza de Nerdblock, où est-ce qu'on avait reçu, si ma mémoire est exacte, trois figurines Titans. Donc, le Ecto One, deux Ghostbusters, Doctor Who, le dixième, si je me trompe pas, et Angel, avec la face, je connais pas le show vraiment, de Buffy, donc la face un peu démoniaque, et un Funko Pop, si je me trompe pas. Je pense qu'on avait aussi reçu un Better Call Saul, Titans, donc. Oui, j'ai gardé rien. Oui, j'ai gardé l'Ecto One et le Funko Pop, c'était Piccolo. Le reste, c'est tout parti en giveaway ou en vente, vraiment. Donc, là, vraiment, c'est plus des Funko Pop. Je pense que c'est 4 qu'ils avaient promis. Une chance d'avoir un prototype. Donc, on verra qu'est-ce qu'on reçoit. Ne tardons plus. Allons-y. Je m'attends pas à grand-chose de wow. Je m'attends surtout des commons. J'espère vraiment que ce sera des commons que je veux et que je n'ai pas. Mais à 175, je pense que je vais même dépasser ça. Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est vraiment pour la forme. Allons-y. Parfait, donc je vois déjà ces 4, c'est effectivement 4 Funko Pop. Je vais avec le premier. The Step Brothers Del Dorback. Donc, non, c'est une série que je voulais pas vraiment. Boîte très endommagée en passant. C'est très dommage, ça a été fait lors de l'empaquage, puisque... Ah non, ça a été lors de la livraison. La boîte a été pop, très 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 dommage. Mais bon, c'était pas un pop que je voulais non plus. Bon, il reste là. On a Eric Northman de True Blood. Une autre série qui m'intéresse pas. Personnage qui me dit rien du tout, on dirait un vampire. Donc... Ouais, bon. Ensuite, oh, très beau pop. Morgan de The Walking Dead. Par contre, je l'avais déjà reçu dans une des boîtes. C'était Comic-Con, The Comic-Con Box pour le mois d'octobre ou novembre. Un de ces deux mois-là. J'en ai reçu que deux, en fait. C'était un pop que je voulais vraiment. Là, je l'ai en double. Dommage. Et finalement... The Mountain de Game of Thrones, très très bon, je ne l'avais pas, je le voulais, une série que je veux vraiment compléter, donc un pop sur 4 que je voulais vraiment, c'est dommage, mais bon, 3 pops, boîte endommagée, dommage, mais 2 autres en bon état. Morgan, c'est un très bon pop que je voulais, même si le personnage est un peu décevant sur le show présentement. Mais bon, pour le reste, je ne saurais dire que lui. C'est un film qui m'a vraiment impressionné. Donc, la série pas vraiment quelque chose que je voulais. Mais bon, donc, par contre, The Mountain, oui, je le voulais. Et je l'ai eu. Voilà, je suis très, très, très content pour celui-là. Pour le reste, ben lui, c'est dommage, mais je l'avais déjà eu. Les deux autres, bon. Pas si pire. Donc, mais vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aurez intéressé recevoir une boîte comme ça? Est-ce que vous aurez aimé les 4 pop?
Sinon, quel est le pop que vous auriez préféré avoir? Comme moi, c'est vraiment lui que je suis vraiment content d'avoir. Le reste, un peu déçu. Vous, est-ce que vous les aimez les quatre? Est-ce que vous en aimez deux, trois, un? Dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme toujours, partagez, likez. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Ciao!